Aucune trace de Scorpion ni de Véline. Elles ne peuvent pas quitter le vaisseau dans l'hyperespace. Si elles veulent reprendre le cénotaphe, elles devront venir ici. Merveilleux. Je vais préparer du punch. L'hyperpropulseur est verrouillé. Quoi qu'il arrive, on ira jusqu'au bout du voyage. Alors on y est. Les moteurs subluminiques s'arrêtent. On a de la compagnie, et pas qu'un peu. La flotte éternelle au complet. L'appareil de Véline et Scorpion, il s'en va! Établissez la communication. Il faut découvrir qui se trouve à bord. C'est pas nécessaire. L'appareil nous appelle. Commandant, j'ai fait une découverte sensationnelle. Les unités Gemini, la flotte éternelle, le cénotaphe. Ces machines n'ont pas volé ma technologie. Nous sommes cousines. L'ordinateur du cénotaphe m'a révélé que nous avions toutes été créées ici. Vous nous avez aidés à retrouver notre foyer. Je vous dois une fière chandelle. Si toute cette technologie provient du même endroit, alors ça bouleverse nos connaissances de Zakel. Peut-être. Mais ce n'est pas ce qui doit vous préoccuper pour le moment. Véline et ses soldats sont en pleine campagne de sabotage. Vous devriez les arrêter. Je détecte des afflux de puissance un peu partout. Les boucliers et le support vital. L'omnicanon. Pour ce que ça vaut, j'espère que vous survivrez. Cotte, aidez-moi à réparer l'omnicanon. Les autres, sauvez le vaisseau. Commandant, où sommes-nous? Omnicanon à passerelle. Répondez. Où on se retrouve? J'aime bien vos amis. J'ai hâte de les ajouter à ma collection de trophées. Ne les touchez pas, Véline! Prosterne-toi devant le dragon de Zakel. Bien essayé, étranger. Vous devez être plus près pour activer son conditionnement. Je voudrais une nouvelle dépouille à exposer au mur. Imaginons que ce ne soit pas vous. La Twi'lek, sûrement pas. Sa pigmentation jure avec mon intérieur. Véline s'adapte rapidement. Elle ne peut pas vous terrasser, mais elle trouvera le moyen de vous atteindre indirectement. Vous l'avez empêché de me tuer. Vous pouvez sauver mon équipage. Ce ne sera pas nécessaire. Quelque chose se prépare.
Theron? Lana? Quelqu'un me reçoit? Bienvenue, visiteur. Je répondrai à vos questions concernant la géographie. Liste, erreur. Dites-moi en quoi je puis vous être utile. Tu es une espèce de droïde? Tu as l'air humaine, mais tu parles comme une machine. J'adopte une apparence composite afin de faciliter la communication. Erreur. Ceci est le biome Sel Revient, secteur 8022 de la planète artificielle dénommée Yokat. Eh bien voilà, tout s'éclaire. Commandant? Nous sommes échoués sur une planète inconnue, et on dirait que ça ne vous fait ni chaud ni froid. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas inquiet. J'étais sur la passerelle. Il y a eu une lumière éblouissante, et je me suis réveillé sur cette Dariaim, entouré de machines qui voulaient me tuer. Dites-moi en quoi je puis vous être utile. Je répondrai à vos questions concernant la géographie. Ici, Un prix fondale. Vous polluez le jardin. N'approchez pas! Nous préservons. Nous purifions. Nous préservons. Nous purifions. Purifie ça. Les chevaliers de Zakel. Ils devaient être avec la flotte éternelle. Ils ne sont pas venus ici de leur plein gré. Pas plus que nous. Quelque chose nous a flanqués ensemble pour une raison. Un genre de test? Commandant, répondez. C'est Theron. Je vous reçois. Mon appareil était hors ligne. Comment vous avez obtenu le signal? En croisant très fort les doigts. Vous aussi, vous passez une sale journée? Une lumière aveuglante à bord du Cénotaph, un réveil solitaire sur une étrange planète. Je suis avec Torian. On vient de tomber sur des chevaliers de Zakel et un tas de droïdes enragés. Et vous? Ma journée est loin d'être aussi palpitante. Je me sens exclu. J'ai trouvé un musée, un temple. Bref, un lieu sûr. Je vous transfère les coordonnées. C'est la meilleure nouvelle de toute la journée. Trouvez les autres et dites-leur où nous rejoindre. Je m'en occupe. Soyez prudents, vous et Torian. Méline était à bord du Cénotaph avec nous. Si nous sommes là, alors elle aussi. Pas besoin de remuer comme ça. Laisse-moi t'aider. Tu m'as manqué, petite sœur. Deux précautions valent mieux qu'une dans cet environnement. Les autres sont là, sains et saufs.
La dernière fois que j'ai vu Vett, Véline était sur le point de la tuer. Vett a été bien secouée, mais elle est forte. Elle cherche déjà à nous faire sortir d'ici. J'essaye de détecter notre vaisseau, mais ça ne donne rien. Le cénotaphe pourrait être n'importe où. Continuez vos recherches. Scorpion a dit que notre vaisseau avait été construit sur Yokat. Vous avez vu en orbite à quel point cette planète est immense. Mes scanners ont une portée limitée. Nous devons sécuriser cette entrée. Je peux vous aider. Vett se trouve dans la salle principale. Elle inspecte l'un de ces monuments. Elle est sur une piste qui pourrait nous être utile. Vous voilà enfin. Attendez de voir ce que cette chose veut nous raconter. Du calme, Vett. Tu as traversé beaucoup d'épreuves. Tu as le droit de souffler un peu. Je soufflerai quand on aura décollé de ce caillou. Bienvenue sur Yokat, visiteur. Je suis Ariès. Dites-moi en quoi je puis... Abrège et parle-nous de Scorpion, la flotte éternelle, le cénotaphe, les droïdes Gemini. Très bien. Ces inventions font partie des plus grandes armes jamais créées par les concepteurs de ce monde. Et toi, Ariès, es-tu une arme ? On m'a conçu pour rassembler et distribuer des informations. Merci pour votre question. Il y a 3000 ans, mes créateurs ont déployé ces armes sur des planètes choisies aléatoirement. Elles avaient pour mission de diriger des jeux de guerre avec les populations locales. Les exercices de combat à tir réel ont généré des retours techniques inestimables sur ces inventions. Les planètes test se voyaient offrir les réparations lorsque c'était possible. Tes créateurs ont conquis des planètes pour concevoir de meilleures armes. C'est horrible. Comme je vous l'ai dit, les retours techniques étaient inestimables. Tu ne nous as pas indiqué la liste des planètes où ces jeux de guerre ont eu lieu. Mes fichiers dénombrent plus de 70 civilisations uniques, d'Avernio III à Zakel. D'abord, ils ont conquis Zakel. Maintenant, ils se battent pour elle. Quelque chose a renversé la situation. Arcane t'a tué il y a plusieurs années, Texan. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour me retrouver ? Je suis là aujourd'hui. Tu es si puissante, Véline. Tout ce que tu pourrais faire. Je me souviens de tes visites quand j'étais en cage. Tu m'apportais toujours un cadeau. Je veux t'aider. Dis-moi ce qui t'empêche d'exterminer notre ennemi. Tu connais la réponse, pas vrai ? Pourquoi je ne te sens pas ? Je détecte des interférences. Ne me regardez pas comme ça. J'ai touché à rien. Vous êtes libre. Vous êtes libre. C'est vraiment toi, Scorpion ? Comment tu as fait pour nous contacter ? Yokat est une planète artificielle composée de gigantesques réseaux de données. J'ai trouvé un nodule. On nous a capturés pour servir de cobaye. Et si nous ne faisons pas équipe pour nous libérer, nous mourrons ici. Toutes tes manigances pour finir dans l'endroit qui te correspond le mieux. Une boîte. Personne ne mérite le sort qui nous attend. Vous vous rappelez ? J'ai dit que cet endroit ne risquait rien. Je me suis peut-être trompé. Les choses arrivent en continu, mais au moins on est à l'abri là-dedans. Ça nous fera gagner du temps, mais ces droïdes trouveront un autre accès. Il nous faut une issue de secours. Oh, commandant !
crois que j'ai trouvé. Je me rappelle quand père t'a demandé de me ramener à la maison. Tu détestais ma cage presque autant que moi. Tu te rappelles pourquoi tu t'y trouvais ? C'était un endroit froid et sombre. J'avais l'impression de me noyer à chaque instant. Tu as survécu parce que tu es puissant. De toute cette planète, c'est peut-être toi la plus forte. Oh, absolument. Et la plus maligne. Seulement, voilà, Texan, tu ne m'as pas ramené à la maison. Arcane s'en est chargée. J'essayais de réactiver Ariès quand la porte s'est ouverte. On n'a aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. Ça pourrait être le club des droïdes tueurs. Ce n'est pas parce que des portes s'ouvrent qu'on doit les emprunter. Ça me coûte de l'admettre, et encore plus de le formuler, mais c'est peut-être Scorpion qui essaie de nous aider. Vett, avec moi. Les autres, tenez cette position. J'ai déjà vu des endroits similaires, mais pas aussi grands. C'est une crypte géante. Il doit y avoir des millions de morts. Ils sont des milliards. Vous avez trouvé mes créateurs. Je ne sais pas si ma connexion va tenir longtemps. Nous devons parler rapidement. Que se passe-t-il, Scorpion ? Ces monuments sont reliés en un réseau unique. Une base de données planétaire vieille de plusieurs dizaines de millénaires. Celui-ci révèle absolument tout. Les êtres qui ont construit Yokat étaient des scientifiques et des ingénieurs. Des individus faillibles et violents. Comme tous les organiques, ils se sont entre-déchirés. Les Gemini, nos flottes, même moi, nous avons massacré nos créateurs. Comment as-tu quitté cette planète ? Tu as oublié ? Les concepteurs de Yokat ont voulu sauver leur monde. Ils nous ont expédiés dans l'espace sauvage et ont verrouillé nos mémoires centrales. Ça n'a sauvé personne, à part nous. Nous avons dérivé durant des siècles, loin de tout. Quand d'autres ont fini par nous découvrir, on nous a réservé le même sort. Des armes, toujours pour des guerres absurdes d'organiques. Tu es chez toi enfin, mais tu es prisonnière comme tout le monde. Pourquoi ? Qui est derrière tout ça ? Assez de mensonges, montre-toi !